Des tonnes de matériel, des tonnes de vivres, un chapiteau de 4000 places, une communauté de 200 personnes, techniciens, cuisiniers, chauffeurs, musiciens, et bien sûr, Nanette Workman, la chanteuse américaine découverte et lancée par Johnny. Voilà ce que la locomotive Hallyday aura entraîné pendant 10 semaines cet été à travers 70 villes de France. Est-ce que ça va ? Est-ce que vous êtes heureux ? Vraiment ? Est-ce qu'il y en a un seul parmi vous qui puisse venir me voir en face et me dire sincèrement si dans la vie il peut me jurer qu'il n'a jamais été déçu par rien? Est-ce qu'il y en a un seul ici ce soir qui puisse me dire en face quand l'amitié n'a jamais été déçue? Est-ce qu'il y en a un seul parmi vous ce soir qui puisse venir me voir et me dire en face qu'en amour il n'a jamais été déçu? Est-ce qu'il y en a un seul? Est-ce qu'il y en a un seul? Qui puisse me dire en face? Qui n'y croit encore assez? Pour me dire qu'il est capable de mourir d'abord. Oh! Mais les cheveux de cette fille, si blancs, si clairs, si transparents, me redonnèrent cette fraîcheur que connaissent seuls les enfants. Bah, j'ai pris Nanette dans le spectacle, c'est normal, puisque je suis son producteur. Puis en plus, parce qu'elle a du talent. Dans son métier, il y a une grande partie de chance, mais enfin, le talent, elle est aussi. Regardez bien, nous ne reviendrons jamais ici. La ferme est vendue, j'ai fait tout ce que j'ai pu. La terre ne donne plus assez de pain. Maintenant, j'ai tout compris, je recommence ma vie. Et pour la première fois, je t'aime comme si je devais.